Voilà. C'est que ce samedi 2 novembre au Sapito Baïssa, nous allons assister à l'emboutocratie vestimentaire du jamais vu dans le monde de la salle. Ça, c'est l'avant-goût, c'est la conférence de presse qui démarre. Les couleurs seront vues. Vous allez connaître tous les détails de ce grand festival pour sa troisième édition qui s'annonce ce samedi 2 novembre à partir de 16h au Sapito Baïssa. Venez voir la SAP. Venez apprendre les 10 commandements de la sapologie. Oh, tu te saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur. Tu materas l'engaya, l'embende, le tchidongo. Tu ne céderas pas. Les voies de la sapologie sont impénétrables à tous les sapologues ne connaissant pas la règle des trois. Tu dois respecter cette hygiène vestimentaire très rigoureuse. Tu dois respecter les anciens. Par ta prière et tes 10 commandements, toi, ça peut leur coloniser le peuple sapophobe. Le président Gyankou. La maison ne doit pas rendre dans son nom. La vérité n'a pas besoin d'un avocat. Les preuves sont là. Le manque de vêtements est un péché, car Dieu, pour couvrir le péché d'Adam et d'Ève, il fit appel à la sape. Afin que quiconque se sape très bien ait ses péchés pardonnés et aille au paradis. Alors, ce samedi 2 novembre 2024, au chapiteau Baïssa, vous allez recevoir les bénédictions vestimentaires. Les bénédictions vestimentaires du président Djangou. Le président Djangou depuis le Bénin. La maison ne dort pas. Allez, le prophète de la SAP depuis Burkina Faso. Oh Dieu de la SAP. Amen. Pardonne à tous ceux qui ne savent pas se saper. Amen. Pardonne à tous ceux qui s'habillent en contrefaçon. Amen. Pardonne à tous ceux qui ne savent pas faire l'harmonie et le mariage de couleurs. Amen. Car la SAP est un art. Amen. Et étant dans les descendants de Papa Wamba, Zulsungu Wamba Djopene Kikumba, le vieux Zangé, le vieux Moloka, le Bouriaka, le maître de l'école. Amen. Nous continuerons à pratiquer cet art avec grande énergie, volonté et savoir-faire vivre. Amen. Rendez-vous ce 2 novembre au chapiteau by Issa pour la libération de l'animal. Amen. La confirmation vestimentaire. Amen. Il n'y aura pas de constipation pour tous ceux qui souffrent de constipation vestimentaire. Amen. Des chercheresses vestimentaires. Ouais. Des diarrhées vestimentaires. Amen. Des paludismes vestimentaires. Amen. Ils seront colonisés, ils seront soignés et traités avec succès. Amen. Si vous êtes fort en mathématiques, comme j'ai fait 3 fois 3, moins ma chaussure, divisé par mon chapeau, combiné tout en faisant une multiplication et une division euclidienne par mon abacos ici présent en façon d'envenu et en concordonnant le tout sur la racine carrée de 2. Amen. Donnez-moi le résultat. Ça fait la physiologie sapérique très sapérentale que vous allez découvrir le samedi 2 novembre au Sapito Baïssa. Venez apprendre la SAP. Ce n'est pas du petit boucan, c'est un état d'esprit. C'est la victoire du textile africain. Venez voir la SAP. Venez comprendre la SAP, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Cette année, nous allons donner l'indépendance de la SAP économique. Amen. Salut, à tout à l'heure. Amen. Merci.